this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Bonjour à vous les gens, bienvenue à vous sur la chaîne de Jojo. J'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour l'épisode numéro 2 du Let's Play démarré sur No Man's Sky, qui est un ancien jeu mais qui porte plus en plus à mon attention. Voilà, donc j'espère que cet épisode dernier vous a plu. Je ne l'ai pas encore posté, hein. Je fais l'un derrière l'autre pour voir si ça vous fait kiffer ou non. Puis de toute façon comme ça, ça en fait des stocks. Voilà, donc c'est parti. Où est-ce que nous en avons? Où on était, ouais, tout simplement. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Alors, position approximative. Donc là, il est automatique. Là, on est manuel. Ça y est, on est revenu au manuel du vaisseau. Donc là, on rentre dans l'atmosphère. C'est pas ce que vous verrez sur Starfield. Excusez-moi. Oh, j'ai pas envie de... Ah, désolé les gars, clavier souris, j'ai pas l'habitude. Genre, à la manette, y'a pas de problème. Alors, tourne. Tourne Michel, tourne. Allez, où l'atterrissage ici? Ah, atterri ici, c'est pas grave. L'atterrissage, c'est automatique. Ouais, je sais, j'ai un peu lancé une pique sur Starfield comme ça, mais c'était marrant quoi. Ouais, parce que sur Starfield, vous n'avez pas la totalité des contrôles sur votre vaisseau. Hein. C'est vraiment très limité. Hein. C'est juste pour faire piou-piou dans l'espace. Et c'est tout, je crois. Je sais plus si sur la planète vous pouvez un peu tourner, et encore j'ai un gros doute. Bah non, parce que les séquences d'atterrissage c'est tout seul, c'est automatique. Bah, vous ouvrez la carte, vous faites atterrisser ici, et c'est tout. Ouais, je le dis encore parce que j'ai du remords envers ce jeu qui nous avait promis des trucs qui sont pourris. Voilà, moi c'est pas du tout un jeu dans l'espace, c'est un FPS raté. Voilà, un FPS dans l'espace, génial. À ce stade-là, j'allume Star Citizen, enfin, oui, Star Citizen, et je me lance dans les métiers de mercenaire. Alors... arrêtons un petit peu de chercher l'embrouille. Alors, cible alignée, déployer la balise de marquage. Voilà, on l'a déployée. On va se diriger vers... ah ouh, attendez. Alors là, par contre, je sais... aïe, comment on... attends, comment on bouge? Je sais pas comment... ah, je crois peut-être qu'on peut pas, là. Mode analyse est bloqué, peut-être parce qu'on doit être obligé d'aller sur la cible, en fait, tout simplement. Donc dans une jolie planète fraîche, on va faire du ski. Allez, c'est parti. Plante identifiée, non identifiée tout simplement. Alors, let's go. Ouais, il est... ouais, c'est un peu plus loin, 112 c'est par là-bas. Ah, finalisation du signal, on bouge plus. C'est quoi ça? Ah, c'était caché. Bien joué, bien joué. On va récupérer ça d'abord. Bonjour. Le mec il arrive comme ça. Bonjour, c'est moi. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Objet dans le catalogue. Projectile d'armement, ça peut nous servir pour une amélioration d'armes qu'on peut avoir pour tirer. Parce que oui, un peu de la bagarre hein, quand même. Hein, parce que le jeu, c'est pas non plus j'explore. Et au bout d'un moment, voilà, non, c'est bagarre des fois. Hein, parce que tu veux prendre un œuf, mais l'autre, le daron, il est pas d'accord, il vient d'attaquer 10 fois. Enfin, ils sont à 40, quoi, ils ont emmené toute la famille. Un œuf qui vaut au moins 10 000 euros l'unité, et quand vous pouvez aller sur le terrain, vous en avez 80, vous pouvez vous faire... je vous laisse compter. Je sais plus combien il y en a. Vous pouvez vous faire des millions comme ça. Les fils à nu de la machine génèrent un signal diffusé dans le vide. Celui qui l'a laissé a disparu depuis longtemps. Décryptez le signal. Décolling. 16. Entrée. Plus de carburant, pas pu atteindre la station. Protection environnementale faible. J'ai dû souterrain déployer l'ordinateur de la base. Outre cette entrée de journal, le plan d'un ordinateur de base et l'un d'opérateurs de terrain sont joints au signal. Avec un peu de chance, l'ordinateur de base contiendra peut-être des informations au sujet de ce qui a laissé ces messages. Voilà. Désolé, j'ai eu un bug dans la lecture, j'étais en train de réfléchir à un truc, c'est dur de lire en même temps de réfléchir. Enfin, pour ma part, hein. Voilà, après, voilà, tout simplement, ouais. Ah, ça c'est bien. Alors, l'opérateur de terrain, c'est le premier truc qu'on va prendre, puisque c'est pour moi le truc le plus important. Alors, du coup, notre première base, elle sera sur cette planète gelée, c'est génial. J'aime bien le blanc, ça me dérange pas, les créatures sont sympathiques. Ah bah d'ailleurs, on va peut-être les scanner, puisqu'on peut maintenant. Oui. Un homo vivez. Ah, tes souhaits. Et celui-là? Un bâtier bien. Oh là là, j'en ai marre de leur nom. Ah, il y a un truc qui vole. Où es-tu?
Ah là-bas. Un oiseau tombé du nid. Voilà, ça donne au moins 1000 balles pour une bestiole. Il y a des trucs. Ici, il y a plein de trucs à découvrir, mais le truc, c'est que vu qu'on était tout à l'heure. On était bloqué, je pouvais pas le faire. On va le faire vite fait, ça prend pas longtemps. Et le fait de le faire, ça vous donne des unités. Donc profitez-en, faites-vous kiffer. Ça, faut le faire le plus souvent possible au début de jeu. Moi, je regarde pas ce que c'est parce que tout simplement, bah, on le verra souvent sur la planète. Il y a quoi, une base, un bâtiment abandonné à 500 mètres. Après, je peux appeler le vaisseau, ça c'est rien. Un sac bourdonnant. Alors ça, c'est très très intéressant. Je le marque parce que c'est très intéressant. Même la technologie enfouie qui est à côté. On va commencer un peu à se libérer un peu de nos chaînes de tutoriels, on va dire. Parce qu'il veut juste qu'on répare. Débris atteinte. Sac bourdonnant, c'est assez cher quand même dans l'ensemble. Ça peut être pratique. C'est tout simplement... Oh, attends, je l'ai pas eu celui-là. Je l'aurais pas, il est derrière le mur. C'est génial. De toute façon, vous inquiétez pas. Ah, il y en a peut-être... C'est peut-être le même que celui-là. Soit aïe 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 là voilà. Attends, je l'ai pas pris ça. Qu'est-ce que c'est? Plante mutante. Ça doit valoir cher s'il y a une étoile dessus. Ouais, waouh. C'est de la soufrine. Ouah, et on s'en donne masse en plus. C'est quoi ça? La soufrine. Ouais, c'est ça. Soufrine. Oh, on a gagné une dague. Je sais pas ce que je peux en faire. Ouais, valeur, elle vaut 11 000 balles, quoi. Je peux pas l'équiper à mon équipement. Mais la soufrine, ça sert à quoi? Je le connais pas, ça. Un gaz atmosphérique acre. Les grandes concentrations sont très dangereuses pour les organismes vivants. Ouais, j'en ai 4 800. 20 par unité. Là, j'en ai pour 100 000. Ouais. Avec l'aide des machines spécialisées, on peut extraire l'atmosphère des planètes brûlantes et désertiques. D'accord, mais bon, pour ce que ça vaut, je vais le vendre. Alors, utiliser pour fabriquer et recharger. Alors, peut-être pour le garder. Vous avez des wikis hein, gratuits sur votre téléphone, des guides avec lesquels, en français, vous pouvez simplement mettre ce que c'est et il vous dit à quoi ça peut servir. Donc, avant de le jeter, autant s'intéresser au truc. Parce que ça se trouve, vous allez vous en servir plus tard. Du coup, je disais quoi, moi? Où est-ce que j'en étais? Ah, bah, l'arbre, je l'ai pas pris, tiens. 500 balles pour un arbre. 500 balles pour un arbre. Les conifères. Les petits conifères. Mon vaisseau il est carrément à bubble wed, mais bon c'est pas grave, je vais peu le... On a été prendre la machine endommagée? Je crois que bah, c'est là d'où je viens. Attends, il va donner que des plans? Ou je peux... Ouais, bah, c'est un peu naze, hein. Enfin, j'ai oublié de faire le truc, mais attends, bah, de toute façon j'ai oublié de prendre carrément. Non, j'ai rien oublié parce qu'il est ouvert. Ça c'est un peu chiant quand vous récupérez des trucs sur des lieux tels que... Je vous donne un exemple, par exemple... Attends, je vais en avoir un dans le coin quand même, il y a pas un... Voilà. Par exemple, le dépôt de dioxyde qui est là-bas. Imaginons, je vais là-bas, je prends tout le dioxyde qu'il y a. Le marqueur, il reste. Il veut pas bouger. C'est chiant, mais bon. Hello. My name is Iron Man. Ça, c'est quoi, ça? Carbone condensé. Je prends. Alors, le carbone condensé est pratique pour faire brûler des trucs qui durent plus longtemps que le carbone basique, vu qu'il est condensé. Dans la distance à laquelle j'arrive à me les faire. Mais n'aie pas peur, Mimiche. T'appelles comment, toi? Oh, je te connais pas, ça tombe bien. Un River Dimay. Dimay. Ouais, ça doit être River Dimay, ça se dit pas Dimay. En général, c'est un peu comme le latin. C'est des choses qui se disent pas. Même si je parle pas latin. Waouh. On va les prendre, hein. Ouais, ça, ça donne du carbone. Alors, ouais, vous avez souvent des vaisseaux comme ça dans la galaxie qui bougent, qui arrivent. Il y a un explorateur, un exotique, c'est ça, je crois. Une... Ouais, j'ai cru reconnaître, je crois, il y a un exotique, je crois, ici. Ou un explorateur, et au milieu, c'était une navette. Ouais, je connais maintenant un petit peu les... Ouais. Les technologies enfouies sont très intéressantes. Mais bon, alors, échappe manipulation, ouais, j'ai pas compris ce que tu veux que je fasse. Consulter l'entrée, manipulation du terrain. Je l'ai pas, le manipulateur de terrain, non, je l'ai pas réparé encore. Donc, faut aller dans multi-outils, hop, on l'ajoute, opérateur de terrain. Opérateur du terrain. Faut un nanotube et un gel. Ça, je peux le faire tout de suite. Attendez, nanotube. C'est un gel. Tac et tac. Heureusement que j'ai du tosma. Ouais. Ah, il en faut deux. Ah, les salauds, j'avais pas vu ça. Si j'avais su, j'en aurais fait deux direct. J'ai mal lu. Il était trop vite. Voilà, l'opérateur de terrain, il est
Voilà, en place. Ça fait des dégâts. Bon, pas sur les bestioles. Ça, je t'ai déjà pris en photo. T'es quoi, toi? Un Nemo et... D'accord, salut. J'ai pas envie de te parler. T'es compliqué à parler. Ah, peut-être qu'on a un truc enfoui dans le coin. Ouais, on a une technologie enfouie par là-bas. Ouh, de ferrite magnétisée. Intéressant, la ferrite magnétisée, je vous le dis. Oh, pierre du savoir. On va la récupérer tout de suite. Oui. Voilà, vite déjà. Le jetpack, c'est le premier truc, je crois, que je vais améliorer. Alors, on va récupérer la pierre du savoir, ce qui va nous permettre en fait de tout simplement pouvoir parler un langage, si je dis pas de bêtises. Pierre résine. Alors, la pierre résonne, produisant un son qui emplit mon esprit. Une vision commence à me prendre forme. Enfin, je vois deux grands extraterrestres qui s'affrontent, l'un d'eux finit par triompher, laissant sa victime se vider de son sang. Le vaincu utilise ses dernières forces pour faire un geste à mon attention, accepter le savoir. Le nom Vikin flotte devant mes yeux tel un écho de l'étrange vision que je viens de vivre. Le mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. En gros, ça nous sert pour apprendre des langues. Voilà, donc là, la langue Viki, on sait ce que c'est. Parce qu'en fait, quand vous allez parler au PNJ, vous allez voir qu'en fait, ils discutent pas trop parce qu'on comprend pas grand-chose qu'ils disent. En fait. Ah, saloperie de fleurs. Mais elle me fait chier, elle. Attends, par contre, comment on fait pour... Ah. C'est quoi ça? Caverne. Hein? Quoi c'est ça? Arme secondaire, non? Mode opérateur de terrain avancé. C'est quoi ça? Mode avancé? C'est quoi base? Roche? Montagne? Sous-marin? Caverne? Je sais pas du tout ce que c'est ça, j'avais jamais été jusque appuyé là. Bah ouais, t'es mode quoi ça toi? Voilà. On va se prendre l'opérateur de terrain basique, ça me servira suffisamment bien. Enfin là on va devoir changer du coup. Il se trouve ici. Hein. Voilà, tout simplement, ça nous donne une donnée avec laquelle on va pouvoir découvrir de nouvelles technologies de construction ou tout simplement de technologies utilisables. Alors, on en a deux, c'est cool. Regardez l'unité, ça vaut 50 000 euros l'unité. Enfin 50 000 unités tout simplement chacune. Donc là on en a pour 104 000. Mais on va pas les vendre, on va les utiliser parce que c'est plus important de les utiliser que de les vendre. Au début, une fois que vous en avez trouvé plus et que vous avez toutes les admirations et que vous en foutez sinon du reste, bah vous le vendez et ça vous fait de l'oseille. Mais bon, voilà. Multi-outils, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Je vois qu'on a le lance-foudre. Mais du métal chromatique, il faut trouver d'abord du croquet, du câblage, j'en aurais pas, ni de la batterie rayon. Et après je peux installer quand même les technologies. Voilà, je peux installer la technologie, malgré qu'elle soit pas encore utilisable. Celle-ci, je peux la faire tout de suite, mais celle-là, non. Métal chromatique, en gros, faut trouver du cuivre. Vous le mettez dans une fournace, ça devient du métal chromatique, tout simplement. Maintenant, ils me disent collecter du cuivre. Voilà, bah, ils nous disent de le faire. Alors, afficher une mise avec le G. F pour localiser un gisement. On a des modules de technologie. On va trouver un gisement de cuivre. La technologie enfouie. Excusez-moi, flore dangereuse. Ah, là-bas, du dioxyde. C'est génial, c'est pas du tout ce que je cherche. Là-bas, dioxyde. Deux dioxydes, c'est abusé. Pierre du savoir, ok. Sac bourdonnant. Sac bourdonnant, il y en a beaucoup du sac bourdonnant. Ça se revend bien. Hein. Technologie enfouie. Et ferrite magnétisée, ça, faudrait peut-être le récupérer en fait. Mais bon, il faut une demande de faire du cuivre. Attends, peut-être qu'en allant là-bas. Voilà, la ferrite magnétisée, il m'en faut, les gars. Vous verrez que vous aussi. Vous allez en avoir besoin. Il est encore là. Ça va vite. La ferrite magnétisée, ça sert souvent. Donc si vous pouvez tomber dessus, prenez-le. Je vous le demande. Faire du craft. Voilà, là il est vidé. On le voit ensemble, hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas un reste de ferrite magnétisée. Et quand je vais encore dessus, voilà, on l'a encore d'affiché. C'est un peu dommage. Ça serait de vous adresser désactiver, mais bon, c'est pas très grave. Là-bas, ferrite magnétisée, il y en a encore un. Bon, je sais pas combien j'en ai récupéré d'ailleurs du ferrite magnétisé. Seulement 35. Ah ben, des fois mieux vaut le... Ah, du cuivre, tiens. Ça tombe bien ce que je cherchais. Par contre, attendez. Une cargaison là? On va la récupérer. Hop, attends, on va appuyer sur G pour changer. Pardon.
Alors ça on récupère. Attends, ça on peut pas parce qu'il faut un pass atlas, c'est obligatoire. Je sais pas ce que c'est du tout le pass atlas, je m'y intéresserai plus tard. On va aller récupérer. Ah ouais, j'ai loupé mon coup. Il y a quoi, de la pierre ça? Il y a encore des trucs à analyser, vous imaginez même pas dans la planète. En vrai là on a l'impression d'avoir tout analysé sauf que c'est faux. Ah voilà. Tu vois. C'est pour ça que je vous dis que le jeu peut être très long. Hop, du sodium, ça peut servir, allez. Faut se dire un truc, dans ce jeu tout sert. Enfin, sauf les reliques qui se revendent par exemple. La plupart de ce que vous allez ramasser c'est rare. Allez d'accord. Il est trop bien ce jetpack pour ça. Le dépôt de cuivre il est loin quand même. Heureusement que j'ai le jetpack pour aller plus vite. Alors. Elle est énorme, ce filon là il est énorme. Eh bah. On va le récupérer, ça je vous le dis. On en a besoin aussi souvent ça. Et ça peut arriver qu'on soit dans des planètes où il n'y en a pas. La poudre de silice peut vous servir, mais pas énorme. C'est ce qu'on peut récupérer carrément dans la terre. Je peux genre faire ça. Et je récupère des fois de la poudre de silice, mais pas énormément, ça sert pas grand chose. Si vous devez entre du carbone et ça, virez la poudre de silice. Hop, bon, fait chier. Allez, il est énorme le filon, il est énorme. Ok, ça a l'air vide. Ouais, c'est aussi du craft, hein. C'est beaucoup du craft, l'exploration, etc. Bah on a vidé le filon. Maintenant, ils me disent de créer du métal chromatique. C'est du carbone. J'ai mis quoi? Carbone condensé, c'est ça que je suis en train de chercher le nom. Ils veulent qu'on mette du coup le cuivre. Ouais, je vais pas tout faire, hein. Je vais peut-être en faire 200 au maximum, parce qu'après ça sert à rien de tout bouffer. Ah bah voilà, 280 cet été. Ça met un petit peu plus de temps. Je sais pas combien il en faut du métal chromatique, peut-être qu'il en faut que 30-35, c'est possible. D'ailleurs, attendez, je vais arrêter à 35 et regarder combien il en faut exactement. Merde, oui, vous pouvez mettre des coups du coup, hein. Du coup, on peut mettre des coups. Je sais pas ce qu'il veut qu'on craft en fait actuellement. Faut qu'il me dise, attendez. Dans le raffineur. 0,30. Ah, il en faut que 30. Bon, voilà, j'ai bien fait de vérifier. Voilà, maintenant il me demande de faire. Construire l'ordinateur de base. Donc là, on va vraiment choisir où va être notre base et placer notre base. Je le mettrais bien là-haut sur le gros caillou, comme ça c'est marrant. Non, je suis même pas sûr qu'on puisse faire quoi que ce soit avec ce caillou d'ailleurs. Ouais, non, c'est un fake. Il va falloir trouver un endroit, moi je me serais bien mis sur un truc plat. On va faire notre première base, mais assez bien quand même, pour vous montrer un petit peu tous les... On a encore de la ferrite magnétisée là-bas. Ouais, je vais pas faire un épisode spécial pour apprendre des trucs comme ça. Je ferai ça, je prends en off, parce que ça peut être ne pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie de voir simplement le farm. Et par ailleurs, on va recharger notre protection environnementale. Du sodium et on a du nitrate. Alors le nitrate sert plus que le sodium, hein, au cas où. Le nitrate de sodium plus que le sodium normal. Bah tiens, en parlant du loup, on en va les queues. Attends, excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. Hop. Merci bien. Toi, je t'ai scanné? Oui. Alors à côté, il y a une formation minérale enterrée. Minéral enterré, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que ça peut être. Il y a des trucs vachement intéressants avec la visière à trouver, par exemple ça. Ça va nous donner des nanites. Attends, loupé. Hop, c'est un dash. Ça s'appelle un dash, en gros, ce que je fais. Je suis en train de réfléchir à comment ça s'appelait. Hop, il m'a donné
Attention les yeux, des... Oh, bah c'est bien aussi. Enfin, voilà, dans le carburant de décollage. Très intéressant pour le décollage du vaisseau. D'ailleurs, mon vaisseau, je sais pas où il est fourré. Et d'ailleurs, on va peut-être lui demander qu'il vienne par là. On va lui demander qu'il... Parce que oui, vous pouvez faire appel à votre vaisseau, hein, les gars. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça se récupère des fois. Voilà. Ça peut se revendre, je sais pas combien, je vais vous dire ça de suite. 800 l'unité. Voilà. Ça peut se revendre. À la consommation? Comment ça, la consommation? C'est quoi, la consommation? Ça sert à quoi? Consommer. Le système de nutriments de l'isocombustion va restaurer de l'énergie du système de survie. Ah, bah, vous pouvez remettre plutôt de l'oxygène, vous pouvez mettre ça à la place. Enfin, je savais pas, ça, c'était des choses que j'apprends en jouant, tout simplement. Où est-ce qu'il est, mon vaisseau, voilà. Je voulais prendre ça aussi en passant par là, tant que c'était là. On va appeler mon vaisseau ici. Alors, on fait ça. Voilà. Il arrive. On n'a pas le cargo encore, non? Ça, c'est mon vaisseau. Après, vous avez... Allez, les exonefs. Je sais comment en avoir. C'est des trucs, des petites voiturettes de terrain. Vous allez kiffer votre vie. Je vous le dis, si vous kiffez les jeux au monde ouvert, voilà. Fusée commerciale. Je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai pas d'autre vaisseau. Le cargo, il est là. On peut pas l'appeler parce qu'on l'a toujours pas. C'est en avançant dans l'histoire qu'on va... C'est pour ça qu'on va avancer bien dans l'histoire avant de commencer une vraie base. On va se faire une base un peu à la what the fuck. Ah oui, c'est SZ pour pouvoir décoller. Enfin, W, là. Et là, on va trouver notre emplacement parfait, évidemment, pour pouvoir poser notre base. Le jeu est tout bonnement magnifique, quand même. Alors, ah bah, j'ai mis un point. Faudra un truc plat, quand même, à côté de deux cailloux. Sur la montagne, tiens. La montagne qui est là-bas, elle est jolie. Ouh, à côté de ça, c'est pas mal non plus, hein. On va aller faire un tour, vous allez voir que ça peut être intéressant. S'ils ont une piste d'atterrissage, c'est moins cher, je précise, hein. Les pistes d'atterrissage sont pas chères, vous payez pas l'atterrissage en fait. Je sais pas si c'est vraiment une station ou pas. Enfin, un avant-poste, ils appellent ça plutôt qu'une station, mais on va tourner autour tout doucement. Non, c'est pas une station ni un avant-poste. Alors par contre, lui là-bas, je peux atterrir et ça coûte rien, on vole. Du coup, bah, je vais en profiter, tant qu'à atterrir chez moi, atterrir gratuitement. D'accord, ah, il vient de me prendre en compte l'oseille. Oui, il me l'a pris. Ouais, je comprends pas, frère. Attends. Bah, c'est pas grave, mais en gros, ici, vous avez un truc d'atterrissage. Bon. Alors, vu que ici, on est à côté de ça, j'aime bien en fait entouré de trucs comme ça, je suis pas tout seul. Qu'est-ce que ça va me donner? Du nitrate de sodium, intéressant. Sauvegarder et revendiquer, voilà, clac. Je crois pas que je puisse construire ici, non. Non, je peux pas qu'on soit ici. Voilà, on va récupérer tout ça. En fait, ça permet de sauvegarder, en fait. Parce que sinon, on pouvait pas sauvegarder n'importe où, quoi. Ah, mauvaise touche. Enfin, mauvais outil. Là, je me demandais si ça c'était récupérable, mais non. Alors, là, peut-être, qu'est-ce qu'il y en a par là-bas? Alors, des fois, on a des machines abandonnées. Des fois, on a des trucs intéressants. Une entrée, vous pouvez discuter avec les gars de la base. Je cherche l'entrée justement. Ah, c'est quoi ça? Inutile. Je connais pas tout du jeu, les gars. Je suis vraiment un débutant dans le jeu totalement. Faut être curieux dans ce jeu. Faut être intéressé hein, quand même parce que sinon vous allez vous ennuyer, les gars. Oh, ça je prends. Olé, sympatoche. Alors là en plus, dedans, si on peut recharger tout simplement notre combinaison environnementale, c'est ce qu'on peut pas faire avec la base. Voilà. C'est une base gratuite si on veut, et vous faites votre petite base à côté, parce que sinon, en fait, vous rechargez ici votre protection environnementale et votre truc de survie. Alors ça vous donne des nanites, je crois. Non, vous donne une navigation directe. Alors ça peut être pratique à utiliser, je crois, je sais pas quand. Extraire des nanites, voilà, vous avez 20 nanites, 30, 40, 2 nanites. Normalement c'est 20. Et là vous pouvez choper du carbone, excusez-moi, Alors ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... Voilà, on voyait il y a bien depuis longtemps dans un système lointain. Attends ma réponse. Trois nombres sont visibles au-dessus du boîtier de saisie vide. Je crois que je sais quoi faire. Au-dessus du boîtier? Quel au-dessus du boîtier? Attends, alors ça fait 0702. D'accord. Après ça fait 21 que je vois pas. 21, 17.
est inscrit en haut du boîtier. Est-ce que c'est vrai ou pas? Sinon, je mets un code au pif. On tente. Ouais, c'est envoyé, la balise ne répond pas. Voilà, je me suis trompé dans le code. Il y avait un code ou pas? Je sais pas, écrit un code, je ne sais pas. C'est plus utilisable, une fois que c'est trompé quoi. Y a personne dans ce truc là? On s'en fout, hein, ça nous permet d'avoir des trucs. Je sais pas, ça nous mène dehors. Oui, et l'autre. Des fois ça peut permettre de continuer dans une base, mais on n'est pas réellement dans une base. Porte verrouillée, il nous faut un passe-atlas. Je sais pas du tout ce que c'est encore. Ça, faut pas me demander trop les gars, mais ce qui est bien c'est que des fois ici vous pouvez voir des voyageurs, enfin des petites bestioles, là, des gens. Alors si vous continuez, vous avez plusieurs habitations de la même sorte qui se ressemblent. Normalement, si je dis pas de bêtises. Il y en a qu'une dans celui-là. Des fois vous en avez deux ou trois. Ah, je peux plus. Je sais pas, ce que je suis trop lourd. Ouais, en fait il y en a qu'une dans celui-là, mais des fois vous avez trois petites habitations comme ça pour récupérer du nanite, des trucs comme ça intéressants. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans les endroits où vous avez deux bâtiments abandonnés, paf, ça je récupère. Là ça va me donner des nanites, ouais, même. Dans les endroits comme ça, il y en a toujours, je crois, c'est celui de droite qui est souvent éteint, non? Ah non, bon, ça va, vous en avez toujours un qui est plein et toujours un qui est vide. Celui-là va faire partie des pleins. Voilà, module de navigation. Données de navigation plutôt. Wow, c'est tout, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les nanites, hein, parce que les nanites ça va nous servir pour l'amélioration de notre exocombinaison, enfin pour tout en fait, vous allez voir. Voilà, celui-là il y a les deux. Voilà, récupérez vos nanites, il y en a plus en mode tranquille, donc faites comme moi, démarrez en mode tranquille et après vous vous lancez dans le mode normal. Enfin j'ai fait le mode normal avant le tranquille moi, c'est pour ça que j'ai su qu'il y avait le mode tranquille et ce qu'il était capable de faire, je fais oh c'est intéressant quand même. Alors vu qu'on va faire notre base ici, vu qu'on est à côté du bâtiment qui nous recharge notre combinaison environnementale, ce qui est très intéressant. On va faire notre base par là. Ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que... Je crois que c'est pour appeler les vaisseaux ça, non? Voilà. Mais ça vous coûte un donné de navigation. Attention. Ouais, c'est jamais rien sans contrainte dans ce jeu, tout est avec vos contraintes. Alors tu veux bien te faire ça, mais par contre tu vas perdre ça. Intéressant. Alors on va se rejoindre proche de la base. Qui est là-bas, et on va faire notre base par là. Voilà, on va faire un petit truc par là. Parce que tant qu'à recharger gratuitement, je vais le faire. Parce que ça coûte cher en sodium à chaque fois de remettre. Après, vous pouvez acheter aussi des protections spéciaux pour le froid, le chaud, ce qui est toxique et ce qui est nucléaire. Voilà, si vous achetez ces améliorations-là, ça vous permet de pouvoir résister mieux et pouvoir rester plus longtemps dans les environnements. Voilà, mais par contre, c'est une amélioration par endroit. Faut pas abuser. Moins 50 degrés il fait, ouais, il fait froid. Maintenant on va créer du coup notre base, hein, je me dis c'est ce qu'ils veulent, non? Alors emplacement libre, il en faut 0/124 dans l'exocombinaison. Alors on va en virer un tout trois trucs dans le vaisseau. Bah ça on peut le virer dans le vaisseau, ce sera juste à vendre. Ça aussi. Ça aussi, juste à vendre. Ça aussi, ça sera peut-être à vendre, je sais pas trop. Ça, ça me sert pas tous les jours. Ça sera pour le vaisseau uniquement. Ça, c'est raffinant portatif, peut me servir. Ça, ça peut me servir quand j'aurai fait ma base. Dans l'ensemble, ça, ça me sert pas non plus. Et ça non plus. Oh là là. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous êtes pas obligé de rester à côté de votre vaisseau. Vous pouvez tout mettre à distance en mode tranquille. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment à côte-côte. Donc proche. Ah, il y a une navette, deux navettes et l'autre c'était je sais pas quoi. Alors maintenant on va pouvoir faire quoi? Ils nous disent, voilà, progrès, l'ordinateur de base. On va poser ça en plein milieu, c'est bien, à côté de l'autre. Alors, tac. Recherche d'archives cartographiques en cours. La recherche dans l'archive universelle ne révèle aucune déclaration antérieure pour ce site. Le scan sonar confirme que ce site est constructible. Revendiquer le site, revendiquer la base. Et voilà. On peut tout simplement construire sur ce site. Je sais pas quelle distance, mais on peut le faire quand même. De loin, d'après ce que je comprends. Et maintenant, on peut voir ordinateur de base activé. Faites une recherche dans les archives de l'ordinateur de la base. Voilà. Je sais les objectifs qu'il y a à faire, mais c'est plus pour vous. Alors, accès au journal de l'utilisateur précédent. Entrée 49025D, je sais pas, ouais, j'ai du mal. Les tempêtes balèguent, mais je manque de matériel et de construction. Je dépose les plans de l'abri pendant que j'ai besoin de revient bientôt. Extraire les plans.
Ah là là, donc là c'est charpente en bois, mais vous allez voir ce qu'on va avoir besoin pour faire des trucs en bois. Voilà, là ce qui est bien c'est qu'il nous montre une affiche de base qui est juste magnifique, quelqu'un s'est embêté à faire ça. Peut-être que les développeurs éventuellement. En mode créatif, vous pouvez vous amuser à faire des belles bases, hein, pour les gens qui kiffent juste faire des bases un peu comme sur Minecraft. Non mais vous arrêtez de faire du bruit. Oh. Je crois que l'explorateur est là, je crois. Et là c'était des... transporteurs, des vaisseaux transporteurs. Voilà, j'en ai appris de plus en plus en fait. En étant tellement frustré par rapport à Starfield, j'ai dû me trouver un autre jeu dans l'espace. À part Star Citizen qui reste l'un de mes coups de cœur éventuellement. Et Spaceborne aussi, pour les gens intéressés. Avant petit jeu. J'ai réfléchi à un truc tout à l'heure, c'est qu'il y a un jeu pour les gens qui connaissent peut-être pas. Un jeu qui est très similaire à tout simplement à No Man's Sky, mais en version vue du haut et joué un peu différemment. Hein. Mais qui a un petit peu de différence par rapport à lui, mais qui lui ressemble beaucoup et qui est très semblable, c'est Attends, comment il s'appelle le jeu? Sois pas vite. Voilà, bougez pas. Regardez, je fais une bibliothèque. Ça s'appelle... Alors, le jeu, ce que je l'ai sur le bout de la langue, c'est Astroneer. Alors voilà, pour les gens qui connaissent, donc A-S-T-R-O-N-E-E-R. Astroneer, qui me fait beaucoup penser à ce jeu-là, dans les mimiques, en fait, du jeu. Ça me rappelle beaucoup de trucs. Comment on fait pour les filons, les trucs, les filons, c'est exactement pareil. Quand vous prenez un filon, vous faites un trou, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'est pas vu en troisième personne, ni en première personne, on est vu du haut. C'est pas mal comme jeu, en mode chill, ça le fait avec des potes. Donc maintenant, je suis en train de dire, on va créer notre base. Donc vous allez voir en quoi c'est fait, en carbone. Et le carbone, du coup, qui est du bois, on va dire. Mais par contre, j'en aurais pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de carbone, non, sur moi, non. Combien j'ai de carbone? Ah non, mais là, on est dans le vaisseau. Carbone, j'en ai que 500. Bon, allez, on va taper des arbres. On va taper des arbres. Hein. C'est pas Minecraft, on vient à côté de l'arbre et... Mais on pouvait le faire, hein. Ça vous empêche pas de le faire. Ça marche aussi, mais c'est lent. Dans un temps normal, on aurait pris une hache, mais là, il n'y a pas de hache. Il y a un rayon d'extraction. On prend le max, hein, parce qu'on va faire une belle base quand même. J'ai pas envie de revenir et dire j'en manque de trucs quoi. Ouais, je déforeste la zone. Mais j'ai l'impression que en fait ça revient en fait. Ce que vous avez enlevé repop des fois. C'est l'impression. Après faut que je fasse des vérifications un jour. Hop, ah je voulais pas vous défoncer là. Ah. J'ai défoncé un pauvre petit animal, ouais. La mordite ça vient des animaux. Enfin des créatures du moins. Alors fais attention de pas tirer sur toutes les créatures parce qu'il y en a qui peuvent vous attaquer, regarde. Oh bah meurs alors. Alors ce qui est bien avec les animaux, c'est pas terrible franchement. C'est du braconnage mais ça vaut extrêmement cher, 1400 balles l'unité quand même, c'est cool. Et la viande, pareil. Regardez, j'ai 7000 balles, juste là. Voilà, 7000 et 11000. C'est cher de ouf, en fait ça vous donne de l'oseille à mort. C'est pas bien mais j'adore. C'est bien pour se faire de l'argent au début. La mordite, ça se vend pas cher. Par contre, ça, c'est pas, c'est 40 balles l'unité. Alors, est-ce que ça sert pour la construction? Construire, fabriquer, recharger, améliorer. Comme ils disent, cultiver lui-même, récolter des racines de mordite. Composé de cristallins envoûtants. Ouais, bon, ça sert pas à vente, quoi. La vente, ça sert à rien. Voilà, niveau carbone, on a ce qu'il faut. On va pouvoir créer notre belle petite base. Et ça tombe bien, on va prendre cet emplacement qui est vide. On va se faire une base en hauteur de préférence, si possible. Mauvaise touche, je vais y arriver les gars. Ouais, c'est W, je connais pas les touches sur PC correctement. On va se faire deux murs. On va se faire deux murs, c'est ça. 1, 2, après vous avez la possibilité de passer en mode construction différente. Je sais plus comment ça s'appelle, comment on fait. Caméra libre. B, voilà, la possibilité... de pouvoir alors monter un peu en l'air et de faire des construits à votre guise. Voilà, moi je vais monter de 2 et je vais changer W. Ouais, bah par contre ça revient forcément. La caméra libre, c'est cool. Voilà, là on va faire notre sol, on va faire une base en bois. Sans trop se prendre la tête, hein, éventuellement, ce serait cool. Alors, dans mon kiff, ce serait de faire ça. Il faut obligatoirement quand même qu'il y ait des pieds pour que ça puisse tenir ça.
Donc je vais faire des pieds un peu plus jolis que ça quand même, mais bon. J'aimerais bien découvrir d'autres technologies pour pouvoir avoir les pieds plus fins, ça coûte moins cher. On va prendre les escaliers. Je les ai pas les escaliers? Oh l'échec est mat. Oh l'échec est mat. Je sais plus si c'est dans l'ordinateur de base ou de... Non, c'est le truc de recherche. Je peux pas faire ma base. Oh oh, tempête, 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 c'est la tempête. Hop là. Oh lolo. On va se réfugier. Arrête de courir, Michel. Fais meilleur là-dedans. Hop là, voilà. On va s'asseoir tranquillement le temps que la tempête se produise et se passe tranquille. Voilà. Voilà, on se pose, on regarde la téloche. Y'a quoi aujourd'hui? Bon, bah, c'est malheureusement, c'est chiant, mais. Mais il faut attendre. Voilà, on attend paisiblement que le temps passe. On peut modifier notre skin, en fait, hein, notre personnage. On peut changer la tête, les couleurs, le torse, la forme de notre corps, les chaussures, le bas, le. Voilà, la cape, si vous voulez une cape. Moi, j'aime bien la cape. Mais bon, faut aller dans les stations, c'est obligatoire. Voilà, on attend pour le moment, on peut pas faire différemment, la tempête dure un certain temps. S'il le faut, je ferai une petite avancée technique du jeu pour que vous puissiez éviter d'attendre comme ça. Parce que c'est pas terrible. Ça fait tourner la vidéo pour rien, quoi. Le journal d'ordinateur de base, on va y retourner dessus et après on va pouvoir découvrir du coup un autre qui est le ordinateur de recherche spécialement fait pour les technologies avec les trucs enfouis. Donc ça, en fait les données récupérées, vous allez pouvoir débloquer justement ces compétences, enfin ces nouvelles constructions. C'est hyper long. Je vais aller chercher un truc à boire. Et je pense que la tempête s'est terminée. Allez, lève-toi, Michel. Arrête là, hein. Et oui, la tempête est terminée. On va pouvoir continuer la quête. Le lore du jeu de la base. Alors, le jetpack, une fois amélioré, vous pouvez aller tellement loin en faisant ça. Ça, je l'ai vu que tout à l'heure. Hein. Après mes 20 heures de... Là, je dois avoir franchement... Moi, je me suis fait au moins presque 20 heures, presque 20 heures de jeu. Moi. Parce que j'ai joué pendant 2-3 jours d'affilée. Je l'ai saigné, le jeu. En mode normal, mais vu que c'est long, bah moi j'aime pas trop attendre. Voilà. Accès au journal de l'utilisateur précédent. Archives supplémentaires récupérées. Entrée. Nanana. La construction exit réussie. J'ai obtenu des données récupérées près du exit plan enregistré. La scanographie indique des dispositifs souterrains supplémentaires. Je commence les recherches. Extraire les plans. Celui qui a enregistré ces messages semble avoir réussi quelque chose. J'ai accès à ces plans et je pourrais peut-être apprendre de son travail. J'essaie de vous faire le narrateur parfait. Même si je ne suis pas un bon narrateur, parce que je bégaye des fois, c'est cool. Enfin, je bégaye, je sais pas de tic, mais c'est surtout un bégayement sur la lecture. Des fois, ça peut arriver, je sais pas. En fait, mon cerveau déconnecte à un moment, et puis plus personne. Je cherche pas à comprendre. Alors, ils nous disent... Tata, ferrite pure. Ah, bah, de la ferrite pure. On en a pas récupéré, de la ferrite pure? Bah, si, j'en ai. Ah, ils veulent que je le construise tout de suite. Alors, ordinateur de recherche, on peut le démonter et le remonter. Hein. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez le poser là et le démonter plus tard. Le seul truc que vous pouvez pas démonter, c'est lui. C'est le truc d'habitat. Donc, posez-le bien, l'ordinateur d'habitation. Enfin, je sais pas comment il l'appelle.
Voilà, en plus vous le voyez à droite, en fait vous avez le symbole de paisible en fait, du mode de tranquillité du jeu. Vous voyez, base Rotsforn. Et bah voilà. Bah, je vais peut-être l'appeler différemment plus tard, mais vous pouvez changer de toute façon le nom de la base. Alors, unité de recherche construction, c'est lui qui va nous intéresser. Maintenant, il va nous dire de télécharger de nouveaux plans. On va prendre des escaliers directs parce que c'est moi souvent je veux faire une base en hauteur du coup. Même si je pense que j'aurais pas assez pour plus de toute façon. Alors, recherche, structure. À moins que des technologies, c'est pas très grave. Ouais, on va prendre des escaliers. On va prendre. Ça, c'est quoi ça? Bois en charpente triangle. Ah, on peut se faire des bêtes de base avec des triangles comme ça. Je suis en train de réfléchir à des choses que je peux faire et que voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est ce petit bout de mur là. Je pense plus assez. J'ai plus assez de. Tout simplement de. J'ai plus assez de. Comment dire, de trucs technologiques. Ouais, il va falloir que j'aille chercher. Ouais, bon, bah, de toute façon, on va s'en arrêter là, les gars. Génial, c'est la tempête. Magnifique. On va se rejoindre là-bas. La fuyance. Et ouais. Ah, c'est bien ici, on est bien. Eh ben, mon vieux. Il y en a tellement des trucs. Besoin de ressources et s'asseoir. On peut s'asseoir par terre. On peut s'asseoir par terre, on va s'asseoir. Il y a une chaise par terre, le mec il s'assoit là. Bon, la chaise c'est pas une vraie chaise. Donc, les gens, c'était Joe. J'espère que l'épisode vous aura plu. La prochaine fois que vous viendrez, s'il y a un prochain épisode, évidemment, vous verrez la base terminée. Donc, enfin, plus ou moins terminée avec le bâtiment créé et fini. Parce que je vais un peu faire le tour de la map, récupérer nos ressources qu'il nous faut pour avancer dans l'épisode prochain. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si ça vous intéresse, la commenter, de savoir ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours votre avis, évidemment. Et de vous abonner par l'optionnel. Possibilité. Ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'on a déjà atteint, je crois, les 108 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Merci les gars, ça me fait plaisir, comme je disais. N'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire qui est disponible toujours dans la description pour pouvoir proposer vos jeux. Ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous préférez comme type de jeu. Et puis même, voilà. Ah bah, c'était bien, fin de la tempête. Merci de votre visionnage. À très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise à tous. C'était Joe. Portez-vous bien. Peace.